Matthias 24, verset 36. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noé, ainsi sera la parousie du Fils d'humain. Car comme ils étaient au jour d'avant le déluge, mangeant et buvant, se mariant et donnant en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'il ne sut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, ainsi sera la parousie du Fils d'humain. Amen. Amen. Voilà. On va noter. Quels sont les éléments que vous notez un peu dans ce passage-là? Matthieu 24, de 36 à 39. Oui? Mangeait et buvait. Ah bon, hein? Mangeant et buvant, d'accord. Ok? Ouais, vas-y. Il y a un jour que personne ne connaît. Jour que personne ne connaît, d'accord? Ok. Ok. Mariage. D'accord. Quoi d'autre? Déluge. Ok. Quoi d'autre? L'avènement. La parousie. Parousie. Quoi encore? L'arche. D'accord. Quoi d'autre? Quel autre terme? Hein? Il y a des termes importants, hein, comme au jour de Noé. Parce qu'on lui pose une question ici. Quels sont les signes de ton avènement? D'accord? Et il commence par quoi? Il en sera comme au jour de Noé. Comme au jour de Noé. D'accord? Donc déjà dans ton esprit, quand tu lis ça, tu penses à quoi? Pour reconnaître les jours de l'avènement du Seigneur, qu'est-ce que tu dois aller chercher? Les jours de Noé. D'accord? Donc c'est important. Parce que tu dis, Seigneur, quels sont les signes? Il te dit, c'est comme au jour de Noé. Donc si tu ne connais pas les jours de Noé, tu as un problème. Ça va, non? Voyez un peu? Hein? Comme au jour de Noé. Il situe déjà. Ok? Voilà. Hein? Et comme au jour de Noé, ce sera comme ça. D'accord? Ainsi sera la parousie. Maintenant, il explique un peu ce qui se passait. D'accord? Car comme ils étaient au jour d'avant le déluge. Donc, on sait que les jours de Noé, c'est des jours qui sont avant le déluge. Ça va, non? Voilà, c'est la même chose. Maintenant, le déluge, c'est quoi? C'est quoi le déluge? C'est un jugement. Amen. Donc, à la place de déluge, on peut mettre avant le jugement du Seigneur, d'accord? Ben, les choses vont se passer comme au jour de Noé. Ok? Voilà. Donc la parousie aussi du Seigneur vient avec un
Jugement. Ça va, non? Voilà. Hein? Donc, au jour de Noah, avant le déluge, avant le jugement, hein? Ces mêmes choses-là qui se sont passées au temps de Noah là, vont se passer encore juste avant le jugement. Juste avant la parousie. Hein? La parousie aussi. D'accord? Donc la parousie, c'est quoi? Apparition. La manifestation. D'accord? Voilà. Ok? Hein? Et donc, à ce temps-là, qu'est-ce que les gens faisaient? Maintenant, on vient au-dessus. Ils faisaient quoi? Le mariage. Ils étaient dans la fête, la distraction, la joie. C'est ça, hein? Mariage. Le mariage, ça représente quoi? C'est quoi un mariage? C'est une union, oui. Le mariage, ça prend la joie à un moment. Elle s'achique tous les jours à la fin. C'est une alliance. Hein? C'est bon, hein, le mariage. Hein, quand je dis ça, il hein, ne faut pas que les plus jeunes, en fait, ceux qui ne sont pas encore mariés, soient découragés. Hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est une très bonne chose, le mariage. D'accord? D'accord? Ça va, non? Hein? Même si de temps en temps, c'est un peu chaud. D'accord? Mais le un peu chaud là, ça ne doit pas être la norme. En fait, dans un mariage d'enfants du Seigneur, ça ne doit pas du tout être chaud. Si chacun est véritablement renouvelé, quand c'est chaud, c'est parce qu'il y a encore la chair. Oui ou non? Parce que le Seigneur dit que le mariage, c'est semblable à son, sa relation avec l'Église. Ça va, non? Qui va parler avec le Seigneur ici? Hein? Voilà. Donc lui qui est parfait là, on ne peut pas faire cela avec lui. Donc si dans nos foyers nous sommes bien comme il faut, bien renouvelés, craignant le Seigneur comme il faut, il n'y aura pas de. Voilà. Ça va, non? S'il n'y a pas là, il faut t'asseoir, il faut te repentir. Et ça ne vient pas du Seigneur. Amen. Voilà. Hein? Donc le mariage, c'est une alliance. Hein? Donc en fait, avant le temps de Noah, avant le jugement, les gens étaient en fait, par mariage, ils étaient dans des alliances. Mais ils étaient dans toutes sortes d'alliances, sauf la véritable alliance. Quelle est la véritable alliance? C'est l'alliance avec le Seigneur. Donc le mariage ici, ça représente quoi? Les fausses alliances. D'accord? Parce que au lieu de s'allier au Seigneur, d'être en alliance avec le Seigneur, d'être en intimité avec le Seigneur, ben ils étaient dans toute autre sorte d'alliance. Vous voyez un peu? Hein? Ça va? Ça va? Voilà. Association du village, il est dedans. Ok? Hein? Mutuelle de développement de temps en temps, il est dedans. Ça va, non? Parti politique, le renouveau de temps en temps, je ne sais pas quoi, il est dedans. Ça va, non? Hein? Tout ça là, c'est des alliances. Il est dans toutes ces alliances là, sauf dans l'alliance avec les gauches. Ça va, non? Hein? Amen. Ça va? Hein? Alliance États-Unis avec l'Ukraine contre la Russie, il est dedans. Alliance Russie avec la Chine, avec la Corée contre les États-Unis et puis l'OTAN, il est dedans. Ça va, non? Voilà. Alliance, on va rentrer peut-être dans un groupe, tout ça là pour devenir riche, il est dedans. Ok? Ça va, non? Alliance, je vais rentrer dans tel groupe aussi pour que mon commerce marche. Je suis dedans. Ok? Toutes ces alliances-là, je suis dedans. Sauf
L'alliance avec le Seigneur. Alors qu'une seule alliance sauve. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Premièrement. Donc si tu as le royaume et sa justice, c'est bon. Je ne dis pas que si les jeunes du village veulent travailler, tout ça, bon, il ne faut pas les aider. C'est pas ce que je suis en train de dire. D'accord? Voilà. Mais il faut crier au Seigneur un peu aussi avant de te mettre dans tel groupe, dans telle alliance, dans telle organisation, tout ça. Amen? Amen. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui nous séparent du Seigneur, qui nous mettent dans des alliances qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Ok? Ça va, non? Amen. Voilà. Et il mangeait et puis il buvait. Ok? Donc il mangeait et buvait, ça représente quoi? On a vu un mariage alliance. Manger et buvait, c'est quoi? C'est la fête, amusement, danser, distraction. Ça va, non? Voilà. Et aujourd'hui, tout est fait pour nous distraire. Tout est organisé pour nous distraire. Pour nous séparer de la présence de l'intimité du Seigneur. D'accord? Manger et buvant aussi, c'est l'image de la réjouissance, de la fausse joie. La véritable joie se trouve dans la présence du Seigneur, croyez-moi. Ça va, non? Voilà. Parce que on essaie beaucoup de joie dans nos vies. Ça va, non? Hein? Être heureux avec les amis. Ça va? Donc chaque soir, ou bien les dimanches, ou bien les week-ends, on est assis au maquis, avec les amis, on mange, on boit, tout ça. Hein? C'est ça, non? C'est une fausse joie. Hein? Ou bien on peut chercher la joie de l'ivresse. Ok? Voilà. C'est une fausse joie. Parce que quand tu finis d'être ivre, le matin, quand tu te réveilles, tu n'es plus ivre. Ça va, non? Au contraire, tu t'assois. Hein, moi, je me souviens souvent le matin, quand je me réveillais, j'allais vérifier dans mes poches. Tu es sorti hier avec temps. Pourquoi il reste temps? Ça va, non? Hier, j'avais 50 000. Je suis sorti, j'ai fait quoi? Et puis, il reste 3 000. Pourtant, il y a des factures qui t'attendent. C'est pas ça? Voilà. Puis tu t'assois maintenant, tu comptes. Bon, j'ai pris taxi tant, ou bien j'ai payé carburant tant. Bon, j'ai payé tant. Et puis à un certain moment où tu n'étais plus lucide, hein? C'est perdu, il n'y a plus de souvenirs. En temps, tu as 10 000 de dépenses. Pourquoi il reste 3 000? Ça va, non? Ça dit, il y a 30 et quelques 000. Ils se sont volatilisés, tu ne sais pas où c'est passé. Et là, tu t'es réveillé, ben, il y a les factures, il y a le loyer, il y a la popote, tout ça. D'accord? C'est une fausse joie. Ok? Ce n'est même pas une joie, c'est des problèmes en fait. Parce que tu détruis ta santé, tu détruis ta vie, tu détruis ta famille, tu détruis tout. Tu détruis même des générations longtemps, longtemps après toi. D'accord? Donc c'est une fausse joie. Donc manger et buvant, ça parle de toutes les fausses joies. Hein? Les fausses joies. Hein? Ça va, non? Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Ça va, non? Qui connaît ce chant? Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, là. Qu'est-ce que ça signifie? Hein? La biche, elle fait quoi? Vous n'avez jamais vu de biche, hein? Hein? C'est ça le défaut, là. On est né à Abidjan, on a grandi dans Boudron jusqu'à. Hein? Voilà. Hein, comme nous, on a vécu un peu en milieu rural, d'accord? Moi, j'avais un oncle chasseur, quand il allait là-bas, il tuait soit maman chimpanzé, maman
Biche, maman tante. Si elle avait des enfants, bon, ils mettaient dans le cas et puis nous balançaient. Donc j'ai eu toutes sortes d'animaux à la maison. Tortue, biche, perroquet, pangolin, je ne sais même plus. Écureuil, tout. Voyez un peu. Voilà. Bien entendu, bon, il y a certains, quand ils étaient un peu grands, bon, ben, on mangeait. Hein? Et puis d'autres, voilà, qui partaient, qui s'enfuyaient, mais voilà. Les biches, quand elles ont ces moments de joie-là, elles sautent. Elles font de grands bonds pour ça. Hein? Voilà. Elles font de grands bonds. Hein? Pas pour aller loin, elles sautent sur elles-mêmes. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà vu les petits moutons, là, qui sont contents? Vous voyez, quand, voilà, peut-être les moutons, vous voyez. Mais quand ils sont contents, ils sautent sur eux-mêmes. Voilà. Rends mes pieds semblables à ceux des biches. C'est la joie de la biche, là, qui est toute heureuse. Voyez un peu, non? Donc, le Seigneur communique la véritable joie, en fait. La vraie joie se trouve dans le Seigneur. D'accord? On parle de quoi? C'est le jour de Noah. Hein? Qu'est-ce qui va se passer au jour de Noah? Donc, les gens seront dans des fausses alliances. Vous n'avez pas remarqué, pour ceux qui travaillent ou bien pour ceux qui sont au marché, pour ceux partout où vous êtes maintenant, là, il y a toujours association de, association de, vous n'avez pas remarqué? Association amicale de village. Ça dit, dans le village, il y a trois amicales. Souvent, toi seul, là, tu peux te retrouver dans 15 amicales. Tout ça, là, c'est cotisation seulement. Hein? On a une amicale au travail. Et puis, c'est l'amicale de la direction à laquelle j'appartiens. Et puis, le directeur général a décidé de créer une grande mutuelle. Où il a dit, donc, les amicales ont leur cotisation. La grande mutuelle a sa cotisation, tout ça s'est prélevé directement sur le salaire. Et puis il y a les syndicats. Eux aussi on prélève. Ça dit tout ça chaque mois, on coupe sur ton argent seconde. Donc les gens sont allés se plaindre, le déjà dit, bon si c'est ça, les amicales, fermé. Moi mon truc là, ça reste. Oh. Donc on a eu une réunion avec notre patron pour voir bon, ben, comment ça se passe, tout ça. Est-ce qu'on garde l'amicale? Dans ce cas-là, ça veut dire nous-mêmes en douce, on doit maintenir l'amical en vie. Ou bien, est-ce qu'on s'aligne sur la décision du DG? Ça va, non? Donc, il y a quelqu'un qui a donné un argument pendant la réunion. J'ai trouvé ça vraiment dommage. L'argument qu'il a donné pour qu'on maintienne l'amical en vie, il disait, mais voyez, grâce à l'amical, quand quelqu'un perd un parent, on le soutient. Grâce à l'amical, quand un enfant naît dans une famille, on va soutenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, s'il n'y a pas l'amical, ça veut dire que si ton collègue perd un parent, tu ne vas pas au funérail ou bien tu ne vas pas le saluer. Vous voyez un peu comme c'est faux, toutes ces amicales, toutes ces organisations-là. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire que si ça n'existe pas, en fait, je ne peux pas aller te saluer quand tu perds un parent. Je ne peux pas aller t'encourager quand tu perds un parent. Je ne peux pas te soutenir quand tu as un événement de joie. Parce qu'il n'y a pas d'amical. Donc ton affaire ne me concerne pas. Alors qu'on est collègues. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Donc, les fausses alliances. Hein? Et les fausses joies. Même les amicales maintenant. Association du quartier. 24 janvier et 24 décembre, on fait quoi? Cotisation, on va manger. Si toi, dans le quartier, tu dis que tu ne cotises pas, on te regarde bizarrement. C'est pas ça? Voilà. L'année passée, ils sont venus nous trouver à la maison, là-bas, oui, mais voilà, voisin, tout ça. Il faut. Je dis, ah, mais bon, moi, je suis désolé, mais je ne cotise rien, et puis je ne dis rien. Ah oui, mais les enfants, tout ça, j'ai dit mes enfants même là aussi, là, ils viennent rien aussi. Ouais, mais on va faire ça dans la grande cour, hein. Je dis, bon, c'est vrai que moi je dors, ça va me déranger,
Mais bon, je ne peux pas vous en empêcher. Mais si vous voulez mon avis, ben faites ça ailleurs. Vous voyez un peu, non? Et puis bon, ben, ils ont fait leur machin, tout ça, nous on était à la maison enfermée, musique dehors, sur ma fenêtre, bâche, tout ça, voilà. Hein? Pour moi, j'ai dû garer ma voiture quelque part là. Je pense que c'était la seule voiture qui était garée. Et puis eux, à cause de la fête, toute leur voiture dehors. C'est pas ça? À 3h du matin, pendant qu'ils étaient en fête, ben, les gens sont venus casser les vitres des voitures. À eux tous. Voler les postes radio, voler tout ce qui est dedans la bière. Quand ils ont fini de danser le soir, mais le matin quand ils sont arrivés, toute leur voiture là bien vite. Et ma voiture était bien protégée. Amen. D'accord? Quand je suis sorti le matin, voisin, mais tu as vu? La nuit ils sont venus tout ça. Eh, il y a quoi au voisin? Eh, voisin. Il y a quoi? Mais les voleurs là, ils sont pas bien. Mais le gars qui m'a même mis des habits, tout ça, c'est vers 3h du matin. Ah bon? Ah bon, je dormais, hein? Vous voyez un peu? Je ne me vois pas, hein? Hein? Mais bon, si on avait évité ça, bon, les voitures aussi seraient protégées. Amen? Hein, petite parenthèse. Vous voyez? Mais, dans nos quartiers encore, quand tu quittes tes associations du village, tout ça, au quartier, il y a syndic. Il y a association, il y a tout ça là, c'est pas ça? Et quand tu te mets à part, on dit, mais non, attends, il a un problème, le gars là, il est méchant, ou bien il est mauvais, ou bien il est bizarre, il veut pas se mélanger, ou bien il se prend pour qui, tout ça, vous voyez un peu, non? Voilà. Et le Seigneur dit que dans les temps de la fin, là, avant le jugement, là, hein, avant qu'il ne revienne, il y aura ça. Ça va? Est-ce qu'il y a ça actuellement? Il y en a? Oui. Ah ah. Ah ah. Voyez un peu, non? Ça dit, même au bureau où je travaille, le parking, depuis une semaine, personne n'a accès au parking. Tu gardes ta voiture, tu veux. Pourquoi? Parce que dans le parking, on a mis des bâches, on a mis de la musique. C'est un lieu où on travaille. D'accord? Le parking là, vache, musique, ça danse, ça mange, ça boit. Il y a tout en bas là-bas. Aux heures de travail. Aux heures de travail. C'est-à-dire dans une société où, en temps normal, ok? Quand tu ne viens pas au travail, on t'appelle, mais monsieur, vous n'avez pas pointé aujourd'hui, pourquoi vous n'êtes pas venu, on va couper sur votre salaire. Vous voyez un peu? Ça dit, on aime l'amusement plus que tout. Hein, je passais avant-hier, c'est quand? Vendredi ou jeudi, je ne sais pas, je passais devant une école. Et puis, musique. Dans une école, et c'est même pas des bonnes chansons. Des chansons impudiques pour nos enfants de je ne sais pas quel âge là. C'est avec ça qu'on les nourrit, qu'on les garde. Là encore, quand tu vas dire, moi mon enfant ne vient pas, on va dire, mais monsieur, bizarre. Ah, mais Noël, c'est la fête des enfants. C'est ça, non? Mais monsieur, il est vraiment là. Et puis quand on voit tes enfants, les enfants là vont pitié. Le papa là. Méchant! Il doit souffrir chez eux là-bas. C'est pas là? Et à Noël, il n'y a pas de cadeau? Mais c'est bizarre ce monsieur là. Vous voyez un peu? L'amusement, la distraction, c'est ça, hein? Les fausses joies. Les fausses joies, là. Qu'est-ce qui donne aussi les fausses joies? Des produits illicites, la drogue. Donc, c'est un temps aussi où on verra
Parce que les gens recherchent la joie. Pourquoi on recherche la joie? Parce qu'à la vérité, on est triste, on est malheureux. Vous voyez un peu? Les gens sont en vérité tristes et malheureux. Plein de méchanceté, au point où on peut dire, comme il n'y a pas l'amical, mon ami, vraiment débrouille-toi, il ne faut plus que quelqu'un va décéder chez toi. Hein, sinon, on n'a pas venu de salut. Il n'y a pas d'amical. Donc, il n'y a plus cet élan d'amour naturel là qu'on doit avoir les uns pour les autres. Il n'y a plus ça. Vous voyez un peu? Hein? Quelque chose qui me vient à l'esprit, il y a chez moi au travail, donc il y a la nouvelle mutuelle du DG là, hein? Comme j'ai dit, il y a les syndicats, tout ça en coupe, hein? Ma direction elle a une amicale, enfin elle avait, hein? Et puis dans le département auquel j'appartiens, ben, il y a une amicale aussi. Ça fait combien? 5 ou 6. Ça c'est au travail seulement. Si j'étais dans la politique, il y aurait peut-être les cotisations de politique encore. Après ça, il y aurait les associations du village. Tout ça, voilà. Voyez un peu. Donc, c'est un temps où il y a les fausses joies, les fausses alliances qui ne procurent rien. Les fausses organisations. Ok? Voilà. Hein? Mais un autre terme, ça va, hein? Le temps de Noé. On a bien compris cet aspect-là. Amen. Le deuxième terme important du temps de Noé, c'est quoi? Quand on finit tous les faux-faux là, hein? Verset 39. Verset 39. On peut lire? Et il ne fut rien. Amen. On dit quoi? Et qu'il ne fut rien. Donc les gens étaient dans les fausses alliances. Et puis en même temps qu'ils étaient dans les fausses alliances, dans les fausses joies, ils ne savaient rien. Hein? Ils ne savent rien. Jusqu'au dernier moment là, ils ne savent pas. Ça va, non? Jusqu'au dernier moment, ils ne savent pas. Ne rien savoir là, c'est l'image de quoi? L'ignorance. L'ignorance. Quel autre terme on peut donner? Hein? À part ignorance, quel synonyme on peut donner? Hein? Une personne ne peut pas. La non-connaissance. L'inconscience. L'ignorance, oui, l'inconscience. L'inconscience, tu n'es pas conscient de ce qui se passe. D'accord? Oui, tu n'as pas de sens. Insensé. Insouciant. Insouciant, oui, insouciant, c'est ça. Ils mangent, ils boivent, ils sont dans tout, machin, ils n'ont pas de problème. D'accord? Voilà. Donc ils sont insouciants ici, mais ici, ils sont insensés, inconscients, ignorants. Ils manquent de connaissances. Manque de connaissances. Manque de discernement. Gros manque de discernement. Vous voyez?
Hein, prenons 2 Pierre, 2 Pétros 1, 2 Pétros 2. Pardon. 2 Pétros 2. De Pétros 2. Parce que si ça passait au temps de Noah, hein? Le Seigneur s'est révélé à Noah et puis il lui a dit quoi? Hein? De bâtir une arche. Donc Noah était averti du plan du Seigneur. D'accord? Il était averti du plan du Seigneur. C'est ça? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il s'est soumis. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a... Merci ma soeur. Parce que très souvent on oublie que Noé a averti. Hein? 2 Pétros 2 à partir du verset 5. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, parce que là encore on parle du jugement, hein. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a gardé Noah, le huitième homme, prédicateur de... Oh, prédicateur de la... Donc qu'est-ce que Noah a fait? Il a prêché la justice, il a annoncé que... Vous qui mangez, qui buvez là. Vous qui vous mariez là. Il y a le déluge, hein. Vous ne me voyez pas, je suis en train de construire là. Ou bien vous pensez que je n'ai rien à faire. Je n'ai pas de plantation non plus. Ou bien je n'ai pas d'alliance moi à faire aussi. Ou bien je n'ai pas de joie aussi à chercher. Mais je me prépare. Ça va, non? Je me prépare parce que il y a de nouveaux temps qui viennent. Ou bien il y a un nouveau temps qui vient. Il y a quelque chose qui va arriver. Donc, je me prépare. Je me prive de toutes ces choses-là parce que je me prépare. Donc, Noah a annoncé. Il a prêché. Vous voyez, donc, dans Genèse, on ne nous dit pas ça. Hein? Quand on lit Genèse, on se dit, ah bon, dès que le Seigneur a parlé à Noah, il est venu, il a dit à sa femme, ses enfants, c'est beau. Écoutez, préparez-vous, hein, mais ne dites à personne. C'est un nous. Si le Seigneur voulait qu'il soit sauvé aussi, il allait leur dire directement. C'est une affaire, c'est un nous. Ça va, non? Hein? Donc, il ne faut pas en parler quand vous sortez d'ici. Vous voyez, non? Hein? On peut avoir cette impression-là. Que Noah, sa femme, ses enfants, on gardait ça comme un secret. Non. On dit que Noah prêchait la justice. Donc il annonçait ces choses-là qui devaient venir. Mais ils étaient trop préoccupés par leurs alliances et par leur joie. Donc on voit aussi que ces fausses alliances-là, et puis ces fausses joies-là, quel est leur objectif? Oui? De nous empêcher de voir les choses qui viennent. C'est de la distraction. Parce que quand on en parle, les gens se disent, oui, mais toi tu es trop dur, tu es trop comme ça, tu es trop méchant, tu es trop... Oui, je peux aider les frères au village. Je peux, parce que c'est ce que le Seigneur me demande. Ok? Je peux passer mon temps à être dans toutes les associations du village, dans toutes les associations d'ici, dans toutes les associations de là. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Je ne vais pas passer mon temps à être dans des fausses alliances.
Bien, si tu entres dans la franc-maçonnerie, tu seras riche, tu seras grand, tu seras immortel, tu seras prospère. Force alliance. Si tu rentres dans notre église, tu seras comme ci, tu seras comme ça. Force alliance, l'église ne sauve pas. L'église en termes de dénomination. Et l'église elle-même ne sauve pas. La seule personne qui sauve, là, c'est Jésus. Il est au chef. Ça va, non? Amen. Ce n'est pas parce que tu viens t'asseoir ici tous les dimanches, tous les mercredis, tous les vendredis, que tu es sauvé. C'est parce que tu es en alliance avec l'époux véritable, Yehoshua, et que tu te comportes dans cette alliance-là comme une véritable épouse, que tu seras sauvé. Parce qu'il va venir chercher ceux qui sont semblables à lui. C'est qui il vient chercher? Une vierge pure, sans tache, sans rite. Ça va, non? Voilà. Donc il vient chercher sa femme, celle qui est en alliance avec lui. Il ne vient pas chercher une adultère, une impudique. Il ne vient pas chercher une qui, au lieu de l'attendre, est entrée dans une autre relation. Ah, lui, il dit trop là-bas. Attends, je vais me débrouiller. On ne le voit pas. Attends, moi-même, je vais trouver des moyens pour m'arranger. On se suit, non? Alors que dans les temps de Noah, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Même pour avoir l'argent, c'est alliance, tontine. Un bras, deux bras. Ça va, non? Hein? Ça va, non? Ou bien ça va pas? Hein? Si ça va pas, il faut dire. Hein? Ça va pas? Hein? Comment? On va parler de ça après. Amen? Voyez un peu. Que le Seigneur nous aide. Amen? Donc c'est le temps de Noah. Ok? Mais l'élément vraiment important, ça va aller à tout ça, mais l'autre élément important, ça dit, on ne sait rien. On ne sait rien. Tu peux la demander. On ne sait rien. Ouais? C'est pas une forme de voile. Amen. Amen. Et la Bible dit, hein, il n'y a qu'en Yehoshua que le voile est ôté. Ça va, non? Donc effectivement, ils sont toujours voilés. D'accord? Voilà. Vous voyez un peu? Et on ne sait rien. Alors, qu'est-ce que ça signifie, on ne sait rien? Il ne savait pas quoi? Qu'est-ce qu'il ne savait pas? Qu'il allait avoir le déluge, d'accord. Ils étaient dans quelle situation? Ils étaient dans l'ivresse, tout ça, oui. Mais je veux dire... Non, je veux reformuler la question. D'accord? La Bible dit quoi? Comment on appelle ce moment-là? Ce temps où toutes ces choses se pratiquaient. Ce moment où toutes ces choses se pratiquaient. Comment on appelait ça? Dans Matthieu 24, 36, on dit? Non, non, non. La période où tout ça se pratiquait. Hein? Comment on appelait ça? Hein? Les frères, pardon.
Les jours de... On a vu ici, hein? Les jours de Noah. Ça va, non? Voilà. Donc, on dit, ça s'appelle les jours de Noah. Le mot jour, là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un temps, ça représente une période. Voilà. Voici pourquoi on appelle ça les jours de Noah. D'accord? Donc, il y avait une période qu'on appelle les jours de Noah. Il y avait un temps qu'on appelle les jours de Noah. Ça va, non? On se suit? Et pendant ce temps-là, les gens étaient dans des fausses alliances, dans des fausses joies, et puis ils ne savaient rien. Ils ne savaient rien de quoi? Ils ne savaient rien, oui? Du jugement, oui, mais ils ne savaient rien du temps dans lequel ils étaient. Voilà. Ça va, on se suit maintenant? Hein? Ils ne savaient rien du temps dans lequel ils étaient. Ils ne savaient rien de l'époque dans laquelle ils étaient. Alors que, frère, on a tous besoin de connaître le temps. Ce matin, avant de sortir, je sais que nous tous, on a regardé l'heure, ou bien on a demandé à la personne avec qui on est, il est quelle heure. C'est pas ça? Et puis quand on te dit, il est dit, je suis en retard. C'est pas ça? Voilà. Donc, on fait quoi avec le temps? On se prépare. Avec le temps, on se prépare. Avec le temps, on sait comment marcher, comment s'organiser, comment vivre. Parce qu'on vit, on marche en fonction du temps. Ça va, non? Hein? Ça va, ma soeur? Hein? D'accord. Actuellement, il fait comment? Il fait beau temps. Il fait beau temps. D'accord. Maman, elle dit il fait beau temps. Il y a celle de froid. C'est ça, non? Elle ne supporte pas la chaleur. Hein? Toi, tu dis il fait froid. Donc, tu prends la pommade pour protéger ta peau. C'est pas ça? Hein? Voilà. L'attitude qu'elle a, c'est en fonction de quoi? C'est en fonction du temps. Voyez un peu. Donc, en fonction du temps, la maman sait qu'il fait froid, elle a blindé bébé. C'est pas ça? Voilà. Si c'est en mars, avril, où il fait bien chaud, quand elle va lui mettre le débardeur, c'est ça, non? Voilà. Et comme il fait frais, on le couvre bien pour le protéger. Parce que s'il n'est pas protégé du froid, qu'est-ce qu'il fait? Il peut tomber malade. Donc, le discernement du temps, ça te garde en vie, frère. Ceux qui ne connaissaient pas le temps dans lequel ils étaient là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts dans le déluge. Est-ce qu'on suit? Ils sont morts dans le déluge parce qu'ils n'ont pas saisi le temps dans lequel ils étaient. Parce que c'est en fonction du temps qu'on avance, qu'on marche, qu'on fonctionne. Quand je sors dans la rue là-bas, que j'arrive au carrefour, qu'est-ce que je fais? Pour traverser là, je fais quoi? Feu rouge, je peux passer. Non. Non, si le feu est rouge, les voitures, c'est dit qu'elle peut passer. Avant, toi, tu penses qu'elle le feu est vert. Attention. Attention, hein. Si tu passes au vert, tu n'as pas discerné le temps, hein. Tu mets ta vie en danger. Tu vois, non? Donc, tu t'arrêtes. Feu rouge. Ah ok, c'est rouge. Ça veut dire que la voiture s'arrête. Je peux avancer. Tu vois? Tu as besoin donc toi de discerner le temps. Et tu as besoin aussi que les autres même discernent le temps. Parce que quand il y a des gens autour de toi qui ne discernent pas le temps, ils sont en danger pour toi. Tu arrives au feu. Le feu est rouge. Tu dis bon, la voiture s'arrête. C'est pas ça? Et puis quand tu t'engages, il y a un chauffard là-bas. D'accord? Lui, feu rouge, vert, ce n'est pas son problème. Lui, il avance. C'est la vie de qui il met en danger? Il
tu mets ta vie même en danger, toi qui traverses. Toi qui veux respecter le temps. Si tu restes trop dans un environnement en respectant le temps, mon frère, ça dit que tu es en train de te mettre dans des problèmes. Ça dit si Noah, à ce moment-là, perdait son temps à rentrer dans les alliances fausses, dans les fausses joies, dans le manque de discernement avec ceux-là qui ne maîtrisaient pas le temps, vous croyez qu'il serait sauvé? On vit, on fonctionne, on marche en fonction du temps. Moi, il y a mon enfant à la maison, Joshua, l'avant-dernier. D'accord? Il se réveille toujours tôt. Voyez un peu? Dès qu'il fait jouer, il se lève. Quand tu lui dis non, mais il n'y a pas école aujourd'hui, tu peux rester pour dormir. Il dit non. Quand le soleil se lève, on se lève. La première fois qu'il a dit ça à la maison, je me suis assis un peu. Le petit, là, vient de m'enseigner. Voyez un peu, non? Quand le soleil se lève, on se lève. Donc, même ce matin-là, j'étais assis là, j'étais en train de tourner ma chaîne. Toi, là, t'as qu'il est sorti de la chambre. Le soleil s'est levé, non? C'est là. À moins qu'il soit vraiment fatigué, fatigué, fatigué. Quand le soleil se lève, on se lève. Amen. Amen. Prenons Bereshit. Bereshit, c'est quoi? Le commencement. C'est Genèse, non? C'est le commencement, c'est ça. Amen. Bereshit 2. Bereshit 1, 14, pardon. Bereshit 1, 14, on peut lire? Et Elohim dit que des luminaires apparaissent dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour, qu'ils deviennent des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Et qu'ils deviennent des luminaires dans le firmament des cieux, et la lumière sur la terre. Et il en fut ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires. Le grand luminaire pour gouverner le... Le grand luminaire, c'est qui? C'est le soleil. Quand le soleil se lève, on se lève. Amen. Puis celui, son travail, c'est de gouverner le jour. Ça va? On n'est pas en train de dire que si tu es fatigué, bon ben voilà le jour tu ne te reposes pas. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. D'accord? Mais je veux dire, ce qu'il a dit m'a ouvert les yeux sur la parole du Seigneur. En fait, il a établi les luminaires pour qu'on puisse discerner les temps. Donc le Seigneur veut que l'on discerne les temps. En tant qu'humain, lui en tant que Seigneur, il a établi toutes choses pour que toi tu discernes les temps. Donc il veut, il attend de toi, qui est son fils, qui est son enfant, qui est sa fille, que tu saches discerner les temps. Donc il a établi les luminaires dans les cieux, le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, pour que l'on sache reconnaître les temps. Quand tu vois la lune, tu sais que c'est le soir. Quand le soleil est là, tu sais que c'est le jour. Ça va, non? Le Seigneur établit les choses pour qu'on discerne les temps. Parce qu'il veut que l'on discerne les temps. En fait, un des aspects de la sagesse que le Seigneur veut que tu aies, hein, c'est que tu saches reconnaître les temps. Même pendant que tu pries, on en parlait la dernière fois. Hein? Il y a des moments où le Seigneur veut que tu passes à autre chose. Tu dois apprendre à reconnaître ça. Pendant que tu prêches l'évangile à quelqu'un, il y a des moments où tu sens que c'est bon, il n'y a plus d'huile, c'est bon. Et ça va finir de parler. Il ne faut pas rajouter. Là, tu entres dans la chair. Et tu vas gâter même ce que tu as semé.
Ça va, non? Ça nous est arrivé plusieurs fois, et pas Dieu, de vouloir à tout prix convaincre quelqu'un. Ça va, non? Ah oui, mais voilà, oui, oui, tu peux parler du Seigneur, et puis tu parles, tu sens que le Seigneur te conduit. Et puis à un moment, c'est bon. Tu sens qu'il n'y a plus, voilà, c'est bon. Tu vois, non? Tu as dit ce que le Seigneur t'avait mis à cœur. Et puis maintenant, tu vas entrer dans des développements, tout ça, pour lui montrer soit que tu connais la parole, soit que lui, il ne connaît pas la parole, machin. Tu as donné ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Laisse-toi pas. Laisse-le se débrouiller la parole qu'il a reçue. Si tu ne discernes pas le temps que tu ajoutes dessus, tu es en train de garder tout ce que tu as semé. Bien, tout ce que le Seigneur a voulu faire. Ça va, non? Voilà. Même pendant qu'on partage, je ne prépare rien. Vous m'avez déjà vu avec un bout de papier, tout ça là. Non, je ne prépare rien. Je parle en disant ce que le Seigneur me met à cœur. Et j'apprends à discerner pour tous ceux-là parmi vous qui sont appelés à l'enseignement. Pas forcément même à l'enseignement, mais tous ceux-là qui parlent du Seigneur. On doit apprendre à discerner là où le Seigneur t'envoie. Ça va, non? Tu es en train de parler de sainteté, sainteté, sainteté. Là où le Seigneur veut que tu parles peut-être, ou que tu retraites. Tu vois, non? Tu n'es plus dans le... Comment dire? Dans le temps là que le Seigneur veut. Tu es dans autre chose, là, tu es dans la chair. Ça va? Le Seigneur te donne une parole, comme une prophétie. Ta 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 ta. C'est fini, non? Et puis maintenant, tu vas mettre tout toi dessus. C'est bon là, tu n'as plus. On se comprend? Tu as qu'à le prier pour quelqu'un. Bon, voilà, tu l'as fait, ok. Si le Seigneur veut que ce soit deux, trois paroles. Il faut apprendre à discerner le temps. C'est-à-dire, en fait, la sagesse que le Seigneur veut que nous ayons là. C'est une sagesse pour nous discerner le temps. Voici pourquoi il n'a pas fait. Je ne sais pas si vous voulez une horloge qui est dans notre tête qui nous fait « Ah oui, là je suis dans le jour, là je suis dans la nuit. » Vous voyez, non? Il veut que tu observes. Voici pourquoi il met un « si » que tu dois regarder pour reconnaître le temps dans lequel tu es. Le Seigneur aurait pu faire les choses autrement. On se suit? Mais il met des « si » pour que nous, humains, nous apprenions à reconnaître les signes, à avoir le discernement. Ce que les gens n'avaient pas. Ils ne savaient rien. Ne rien savoir aussi, là, c'est ne pas reconnaître le temps. Ça va, non? Dans notre vie, la personnelle, tu es là à la maison, tu sens que oh, le Seigneur veut que tu pries. C'est là que tu dois mettre le riz au feu. Ça va, non? C'est bon, là, tu es sorti, hein? Si tu reviens, que tu veux prier véritablement, il faut commencer par te repentir. Parce que quand tu te mets à cœur, viens prier ma fille, ou bien viens prier mon fils, c'est une instruction. C'est aussi un discernement par rapport au temps dans lequel tu dois te trouver. D'accord? Quand tu te lèves, que tu ne fais pas ce qu'il a dit, là, tu vas voir. C'est dans la désobéissance, hein? C'est dans le péché. Il ne faut pas penser que le péché là, c'est gifler quelqu'un seulement. Tu es dans la désobéissance. Donc, un aspect de la désobéissance aussi là, d'accord, c'est ne pas discerner le temps. Ou bien tu as bien entendu, donc tu as discerné le temps. Mais dans le temps là, il y a deux choses, il y a le discernement et puis il y a l'obéissance. C'est ça, non? Parce que quand tu entends, quand tu as à cœur, comment j'ai envie de prier, c'est pas ça? C'est que tu as discerné? Oui ou non? Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu as discerné? Tu obéis ou bien tu n'obéis pas? Donc, il y a deux choses. Voyez un peu? Quand tu te couches la nuit, ah Seigneur, vraiment, j'ai envie de prier. Déjà, même j'ai envie de prier, là. C'est lui qui met ça dans ton cœur.
Donc il est en train de te prévenir qu'à telle heure il t'attend pour que vous puissiez vous parler un peu. C'est pas ça? Il ne va pas attendre l'heure où tout le monde est assis au salon, où tout le monde est en train de te parler, les enfants sont réveillés, tout ça, ou bien tes frères sont en train d'étudier. Non! Il va choisir l'heure là où lui sera seul avec toi. C'est quelle heure? Hein? 9h. C'est pas 9h, c'est quand tout le monde dort. Voilà, très souvent on s'attend à ce que ce soit à 10h que le Seigneur nous dise ma fille, mon fils, viens plus. Viens dans ma présence. C'est pas non? Très souvent c'est la nuit. Pourquoi c'est la nuit? C'est pas parce que la nuit est particulière. Mais c'est parce qu'il veut que vous soyez tout seul. La nuit là, tout le monde dort. Il n'y a pas quelqu'un qui a te dit, maman, il est faim. Pendant que tu as prié, c'est pas ça? C'est pas ça? Voilà. Pour ceux qui sont mariés, le mari dort, ou bien la femme dort. Il n'y a pas quelqu'un qui va gratter ton dos. On se comprend, non? Donc, il utilisera des moments où il sait que tu seras seul avec lui. Ça va un peu? Donc, voilà pourquoi souvent aussi c'est là, la nuit. Ça ne veut pas dire, on ne va pas entrer dans les marchés, oui, c'est la nuit, quand tu pries, donc c'est là, ça marche. Ou bien à 3h du matin, les démons attaquent de minuit à 3h. On n'est pas dans ça là, ce n'est pas écrit quelque part dans la Bible, ça, c'est un morceau. D'accord? La Bible dit que l'ennemi rôde. C'est ça, non? On a donné une heure. Donc, là où on est en train de prêcher, là. Hein? Que vous le croyez ou pas, là où on est en train de prêcher, là. L'ennemi est là, cherchant à lever tout ce qu'on est en train de partager, là. La tête de ses corps. Cherchant même à communiquer des pensées aux uns aux autres, pendant qu'on est en train de partager ici la parole. À qui c'est en train d'arriver ici? C'est-à-dire qu'on partage et puis tu penses à autre chose. Ton esprit va un peu et puis ça arrive. Donc, Satan là, il n'a pas d'heure. Ça va, non? Quand les gens meurent d'accident, descendent ou bien je ne sais pas en quoi, là. C'est pas forcément la nuit, hein, minuit 3h. Si c'est ça, moi j'attends à minuit, je ne dors pas. Minuit, je suis debout jusqu'à 3h. Et puis à partir de 3h, je peux dormir, c'est trop facile. Hein? La Bible dit quoi? Le voleur vient à l'heure où toi tu me dis attends. Ah. Donc si toi tu sais que c'est entre 1h et 3h, il ne peut pas venir là, il va venir à une autre heure. 13h. Ça va non? Donc ceux qui ne dorment pas minuit, 3h parce qu'ils ont peur de Satan, tout ça. Pardon, laissez. Même quand tu es en classe, tu es au bureau, tu es au travail. Quel que soit l'heure, quel que soit l'endroit, il est là, il cherche à détruire. Ça va, non? Ça va, non? Hein? Toi, tu as sommeil, tu dors. Lui, c'est un esprit, il ne dort pas. Ça va, non? Voilà. Vous voyez? Donc, le Seigneur qui veut que l'on prie, mais il veut que l'on vienne dans sa présence, peut-être il veut que ce soit dans l'intimité. Hein, je lisais ce passage-là la dernière fois, hein, mon épouse. Hein, on dit que très tôt le matin, je ne sais pas, c'est dans Jean, je ne sais pas combien, là, 6 ou quelque chose comme ça, Jean 7, je ne sais pas. Hein, quand il a multiplié les prières, très tôt le matin, il est sorti pour aller prier. D'accord? Donc beaucoup vont commencer à développer. Ah oui, donc il faut prier entre 5h et 4h du matin, tout ça, c'est là que la prière porte. Parce que ça c'est ainsi que il est au choix de prier, c'est pas ça? Il priait là parce qu'il savait que le matin, là, il n'y a plus le temps. Il y a 6000 personnes qui ont mangé du pain et du poisson hier, qui seront là le matin pour manger encore du pain et du poisson. Il n'aura même pas le temps d'aller s'asseoir tranquillement et dire ah mais Seigneur, voilà. Elles sont son temps. Ça va, non? Hein? Voilà. Hein, c'est pareil, moi très souvent le Seigneur me réveille tôt le matin. Voilà, c'est pas parce que c'est une affaire de tôt le matin, c'est parce que bon, c'est une heure quand il n'y a personne à la maison, il n'y a pas de bruit. Je peux sauter, je peux me rouler, je peux crier, je peux faire ce que je veux dans la prière.
Je ne dérange personne, personne ne me dérange. Bon, c'est maintenant même que j'apprends mes enfants d'ici maintenant. Viens un peu. Mais dans notre marche en tant qu'enfant du Seigneur, on a besoin de discerner les temps. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous soyons des gens qui discernent les temps. D'accord? Excusez-moi. C'est bon quand même de dire, hein? D'accord? Maintenant, s'ils sont avertis qu'ils veulent continuer, bon, là, c'est entre eux et le Seigneur. Vous comprenez, non? Amen. Quand ils prient, on ne va pas chanter dedans. Hein? Hein? Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes là-bas. Hein? La même homme qui vient chercher ici, elle est là-bas aussi. Donc, il faut comprendre aussi que par moment, c'est pas fortuit. Ça va, non? Hein? Voilà. Donc, on ne fait pas ça dans la guerre, dans la palade, non? Il demande pardon. S'il dit, il s'en fout, il n'y a pas de souci. Hein? Ça va plaire le Seigneur. S'il a compris l'avertissement, alléluia. Ça va, non? Hein? Voilà. Hein? Donc, on parlait du temps. Le Seigneur veut que l'on discerne le temps. Ça va, non? Voilà. Voici pourquoi il met des signes afin qu'on discerne le temps. Quand vous prenez les signes de la fin des temps, quand vous prenez les fléaux dans l'Apocalypse, d'accord? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que la lune va s'assombrir. On dit que le soleil aussi va s'assombrir. Ça dit des temps ou des périodes, en fait, c'est quoi? Le soleil, la lune, c'est des signes pour discerner les temps. Ça veut dire qu'il n'y aura pas le discernement. Il n'y aura pas le discernement, il n'y aura plus. La lune, ça son brillant, elle va perdre son éclat. Le soleil va perdre son éclat. C'est pas ça? Hein? C'est écrit, non? Il n'y aura plus le discernement. Les gens n'auront plus la capacité, la faculté de connaître les temps. Ils seront comme des aveugles. Quand il n'y a plus de lumière, on ne voit plus. Voyez un peu? Le Seigneur pourtant veut que nous discernions le temps. Premièrement. Et que nous sachions comment marcher maintenant en fonction du temps. Ça va? Tu arrives au feu comme notre frère a dit tout à l'heure. C'est quand le feu est vert que toi tu veux traverser. Première chose, il n'a pas discerné le temps parce que quand c'est vert, on ne pense pas. D'accord? Et puis deuxième chose maintenant, il est dans la désobéissance par rapport au temps. Donc, résultat, une voiture le prend. Ça va, non? On a besoin de connaître le temps. Il fait frais, on se couvre. Il pleut, on fait quoi? Parapluie. Nos parents qui sont au village, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir pleurer? Ces gens les plus qui se réfèrent aussi. Donc ils discernent les temps, sinon tu n'auras pas de récolte cette année. Ça dit nous qui ne connaissons rien là. Hein, quand on allait en décembre, par exemple, en février, à Vremoufia, c'est ça, hein, l'année passée. Mais il y avait une belle odeur dans la rue, tout ça, dans le village, tout ça. C'était quoi? C'était le temps pour récolter où les fruits sont mûrs. C'était le temps où l'anacate était mûre. Vous voyez un peu? Donc, l'odeur déjà là doit te permettre de reconnaître que c'est le temps où tu peux aller cueillir l'anacate. S'il y a cette odeur, que tu ne sors pas cueillir, ça va pourrir, tu n'auras pas de récolte.
Il y a des moments, par exemple, pour planter. C'est pas ça? Hein? On va pas semer à n'importe quel moment. Ça va, non? Hein? Si tu veux planter, je sais pas. Si tu veux planter, bah, je sais pas, il y a quelle plante, par exemple, qui connaît? Vignam, c'est à quelle période? Il y a deux saisons. On va parler de masse. Masse. Donc si tu plantes en décembre, ton vignam, c'est zéro. Voilà. Donc un bon agriculteur, un bon planteur là, il discerne le temps, il ne plante pas à tout moment. Ça va, non? Hein? Ça va? Donc en fonction de ça, du temps aussi où il a planté, il y a le temps aussi pour récolter. Donc toi, tu ne discernes pas le temps, tu viens planter, il vient en décembre. Ça va donner? Non. Donc le Seigneur nous appelle à discerner les temps. Ça va, non? Ça, c'est le début de l'enseignement. Hein? Amen. Le Seigneur nous appelle à discerner les temps. Ça va? Il nous appelle à discerner les temps comme Noah, à discerner les temps dans des temps où les gens ne discernent pas le temps. Ça va, non? Le Seigneur nous appelle à discerner les temps dans des temps où les autres ne discernent pas le temps. Quand vous prenez les prophètes dans la Bible, quand ils parlaient de la part du Seigneur, est-ce que tout le monde dit « Ah oui, c'est vrai, ben frère, vraiment, ok. » Les prophètes étaient très souvent seuls, combattus, rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient, oui. Ils ne discernaient pas le temps. D'accord? Quand vous prenez, par exemple, Jérémie, il disait, regardez, de la part du Seigneur, le Nebuchadnezzar va attaquer, soumettez-vous à lui. Celui qui résiste, le Seigneur va le frapper. C'est la main du Seigneur qui veut ça. Qu'est-ce que les gens disaient? Mais celui-là, ça ne va pas, Jérémie. Nous, on a la force, on va s'armer, on va faire ceci, on va faire cela. Il ne discernait pas le temps. Parce que le temps est lié au message aussi. Amen. Ça va, non? Donc, en son temps, là, Jérémie disait, mais non, ils vont attaquer. Hein? Mais soumettez-vous. Celui qui se soumet, le Seigneur va garder sa vie. Parce qu'ils viennent pour juger. Celui qui se soumet, là, le Seigneur va garder sa vie. Celui qui se rebelle, ça va le frapper. Ah non, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Hein? Bon, attends, on va le jeter un peu derrière tout, tout ça. Vous voyez un peu, non? Donc, l'esprit du Seigneur est l'esprit de la prophétie. C'est pas ce que dit Apocalypse. Amen. Quand tu as l'esprit du Seigneur, que tu parles, ne t'attends pas forcément à ce que tout le monde. Parce que quand tu vas parler par l'Esprit du Seigneur, tu pourras dire des choses qui sont dans le temps du Seigneur, mais qui ne sont pas dans le temps de ceux qui ne discernent pas. Voyez-vous? Ils s'amusaient, ils dansaient, ils se réjouissaient au temps où il fallait se préparer. Donc, voyez-vous, hein? Noah, on nous apprend que Noah a prêché. Combien de personnes ont été sauvées? Est-ce qu'il y a une seule personne de son village qui l'a suivi? Non. Pourtant, il a prêché. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se taire. Il faut parler. Amen. D'accord? Mais ne t'attends pas à ce que 75 personnes te suivent d'un coup. Si le Seigneur touche les 75, alléluia. Ça va, non? Hein? Ça va, non? Ça va. Les frères sont allés à... C'est où ça? À Boisseau dernièrement. Donc le frère allait, voilà.
il a rencontré une personne qui lui a parlé du Seigneur, quand elle a été touchée. C'est ça, non? Ah, ben voilà, donc il faut qu'on aille mettre le feu à boisson, tout ça. Allez, délégation, car, tout. Ils vont ici, on dit, et vous là? T'es là. Ils vont là-bas, on dit, quittez. On ne peut pas vous attendre. Toute la journée, quand ils ont fini le soir, ils ont fait quoi? La seule personne à qui ils avaient parlé avant, ils sont allés la trouver pour l'encourager. Ils disent que c'est votre soeur qui était là. On dit, nous, on n'a pas besoin de faire ça. C'est pas pour qui? Cette seule soeur. Vous comprenez, non? Dans l'œuvre aussi, on peut ne pas discerner le temps. Je vous ai donné l'exemple là, Benoît. Ça va, non? On va, hein, une semaine de mission, tout ça. On prêche dans les marchés, les gens sont, voilà, tout ça. Et puis on se dit à la fin, ok. Mais ça avait prévu qu'on aille dans la maison, rencontrer des gens comme ça. Une personne ici, une personne là, une personne ici, une personne là. Il nous a surpris par sa présence. Quand des temps où on allait prier chez des gens, vraiment le Seigneur s'est glorifié, il s'est manifesté puissamment. Tels les esprits de mort là, tac, 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 comme ça. Et bon, ben voilà, pendant qu'on est là-bas, le Seigneur me donne une vision là, où il y a juste un arbre avec quelques chaises autour en bas, et puis bon, voilà. Et puis il me donne le discernement. Vous voyez? Donc je veux qu'un petit groupe là, vous puissiez vous réunir pour partager la parole française. Puis comme on est habitué au programme habituel, c'est ça non? Un temps d'évangélisation et puis ça finit toujours par quoi? Grande veillée de prière et de bilan. Voilà. Hein? Voilà, donc on loue une immense salle. Combien de personnes sont venues, vous savez? Deux. Donc le matin maintenant, Seigneur, pourquoi? Seigneur. Putain, pendant tout le temps du programme, tu nous as montré ta présence, Seigneur. Mais il n'y a pas envoyé. Tu t'as montré bien, un arbre, petit machin, tout ça, bien comme il faut, enseigner. Tu dis non, la façon dont les hommes finissent leur programme habituellement, tu vas faire comme ça, maintenant. Et je bénis le Seigneur que il m'a humilié là. Je ne veux pas que je continue. Imaginez que 200, 300 personnes soient venues. Également. C'est ça, non? Ça dit, tu pars avec cet enseignement-là. C'est faux, hein? Selon lequel, bon, mais à chaque fois, il faut que ça finisse comme ça. Discernement du. Viens un peu. Même quand moi, le Seigneur savait que j'étais en train de sortir du plan qu'il avait donné, là, il a parlé à la soeur d'un frère. C'est qui le programme aussi se tenait. Il a parlé à sa femme. Donc elle se lève le matin, touche son mari, oui, bon, vraiment, on l'écoute. Programme dans la grande salle, là, le Seigneur n'est pas dedans. Ah bon? Oui, bon, ben, bon, comme toi, tu es plus proche de lui, il a parlé, il dit, le mari, non, quand même, quoi, il dit, c'est pas qu'il a réussi. J'ai honte. Et puis c'est resté comme ça. C'est quand on faisait le point que chacun pleurait le matin là, mais c'est bien pourquoi. C'est là, on va dire, ah oui, bon, moi-même j'avais reçu que. Quand on discerne le temps aussi, un comportement qui va avec ce qu'on a reçu, ce qu'on a discerné. C'est ça l'obéissance. La Bible parle de promptitude, c'est pas ça? Dès qu'il reçoit, il fait. Dès que tu entends, tac, tu libères. Ça va, non? Voilà. Vous êtes en train de prier, tu reçois une parole. Et puis tu gardes. Ok? Et puis c'est trois jours après que tu viens trouver le frère, tu dis bon, ben voilà. Ou bien, même pas ça s'adresse, c'est pas au frère, mais même à toute l'assemblée. Donc c'est trois jours après que tu appelles un frère dans l'assemblée qui dit bon, on priait dimanche dernier, voilà un peu ce que j'ai reçu. Si le Seigneur voulait que tu dises ça trois jours après au frère,
Il allait attendre 3 jours après, quand tu allais le faire, tu étais ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si il te parlait là, à toute l'assemblée, de toute l'assemblée, mais tu libères le message là, ça concerne toute l'assemblée. Et comme tu as libéré le message, dans le temps où le Seigneur a donné, il y a une onction, il y a une autorité qui s'attache au message, qui va faire que ça va toucher avec plus de puissance. Et si tu vas le dire 3 ou 4 jours après? Est-ce qu'on suit? Souvent, tu attends 4 jours quand tu vas parler du message que tu as reçu, tout ça. Tu l'as reçu de façon vivante, avec puissance, tout ça. Mais quand tu vas libérer 3 ou 4 jours après, la personne même qui t'écoute, souvent n'a pas de réaction. Tu n'es pas remarqué ça? Ah bon? Ah, c'est ce que tu as reçu. C'est-à-dire, là même, tu dois savoir que bon, ben, tu es sorti du temps. Parce que ça n'a pas, ça n'a aucun effet. Ça va, non? Le soleil n'attend pas le soir pour venir. Ah non, c'est bon, ben. La lune n'attend pas à 10 heures aussi pour venir. Ok? Donc, il y a un temps. Et le Seigneur nous appelle à discerner le. Ça va? Est-ce qu'on a bien compris ça? Hein? Ça va, non? Donc que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Hein? On va lire un petit passage dans le livre de Luc, Luc 2. Lucas 2. Lucas 2, à partir du verset 1. Lucas 2 parle de quoi? Naissance de Yehoshua. Or, il arriva en ces jours-là qu'une ordonnance fut publiée par César Auguste pour que toute la terre habitée se fasse enregistrer. Ce premier enregistrement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa propre ville. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on dit que tout ce qui est sous la domination de César Auguste, parce que César Auguste a publié un édit, d'accord? Hein? Où il dit que tout le monde doit retourner dans son village natal ou bien son village d'origine pour aller se faire enregistrer. César Auguste voulait connaître certainement le nombre de personnes qu'il y avait dans les nations qui étaient sous la domination de Rome. Ça va, non? Donc, il demande à tout le monde, il ordonne à tout le monde d'aller se faire recenser. C'était un temps, non? Hein? Voilà. Donc, pendant ce temps, dans le temps, il y a une instruction. D'accord? Et en fonction de l'instruction du temps, d'accord? Ceux qui ont reçu l'instruction, qu'est-ce qu'ils font? Ils se comportent, ils doivent se comporter en fonction de l'instruction. Voilà. Donc César Auguste dit que chacun retourne dans son village pour aller se faire enregistrer, enrôler. Ben, qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Tous ceux qui se reconnaissaient sous la domination de César Auguste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se déplacer. Ça va? Voilà. Donc on dit verset 3, et tous allaient se faire enregistrer chacun dans sa propre ville. Et Joseph aussi monta de la Galilée. Donc on apprend que Joseph habitait en Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Ça va, non? Donc Yosef, avec sa femme, qui était enceinte, qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause de l'édit de César Auguste, ils ont quitté la Galilée pour retourner en Judée. D'accord? Pour se faire enregistrer. Donc il est allé en Judée pour dire, bon, moi je m'appelle Yosef,
Je suis de descendant de David. Ça va, non? Voilà. Et voilà ma femme. Hein? Myriam, c'est ça, non? Voilà. Qui est un peu enceinte, là, tout ça. Voilà, et puis, bon. Nous, on est venu se faire enregistrer. OK? Donc, dans le registre d'état civil, ça va, hein? Hein? On ne soit pas étonné par ces mots-là. Il y a dans le registre donc, d'état civil. Ou bien, c'est pas ce qu'on fait. Quand nos enfants naissent, on va où? La mairie où ils sont nés, non? Et puis, on dit, bon, son papa s'appelle tant, sa maman s'appelle tant, lui-même s'appelle comme ça. Donc, c'est ça qu'ils étaient en train de faire. Voyez-vous? Donc, l'état civil, là, ça ne date pas de maintenant. Hein? OK. Hein? Afin de se faire enregistrer avec Myriam, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Donc, verset 6. Il arriva pendant qu'ils étaient là que le temps où Myriam devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Et elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. C'est merveilleux, hein? Yehoshua, c'est qui? C'est pendant que je lis, hein, que le Seigneur me... Hein? C'est qui Yehoshua? On l'appelle comment? Le fils de... Fils de David. C'est pas ça? Hein? Comment Bartimée l'a appelé? Fils de David, aie pitié de moi. C'est pas ça? Hein? Pourquoi vous voulez que le fils de David naisse en dehors de la maison de David? Hein? Donc si ça se trouve, le Seigneur même a imposé à César Auguste, qui ne le connaît même pas, fais ça comme ça. Pour que moi, celui que j'envoie, le fils de David, naisse chez David. Ça va, non? Ça va? On suit, hein? Notre Seigneur est tout puissant. Hein? Voilà. Même les sorciers, là, ils ploient sous son autorité. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui vivaient dans les... Des bergers qui vivaient où? Dans les champs. Et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Que la période où Yehoshua est né, c'est une période où les bergers dormaient, vivaient dans les champs avec leurs troupeaux. Ça va? Ça va? Ça va. OK. Et voici qu'un ange du Seigneur se tint au-dessus d'eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande peur. Et... Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple une grande joie. Quelle est cette nouvelle-là? C'est que aujourd'hui, dans la ville de David, le fils de David est né. C'est ça, non? Il vous est né le sauveur qui est le Mashiach, le Seigneur. Et ceci est le signe pour vous. Vous trouverez un bébé enveloppé de linge et couché dans une crèche. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Elohim et disant, « Gloire à Elohim dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bienveillance dans les humains. » Verset 15, « Et il arriva lorsque les anges les eurent quittés pour le ciel, que ces hommes, les bergers, se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons cette chose qui est arrivée, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Amen. Et ils y allaient donc en hâte, et ils trouvaient Myriam et Joseph et le bébé couché dans une crèche. Et l'ayant vu, ils publièrent autour d'eux ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Mais tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qui leur avait été dit par les bergers. Mais Myriam gardait toutes ces paroles, les repassant dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Elohim pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. D'accord? Amen. Voilà. Donc, on va prendre un exemple ici de ce que on ne discerne pas les temps. D'accord? Et de comment on discerne les temps. Ça va? Ça, c'est un cas pratique. On a fini de partager. D'accord? Un cas pratique. C'est ça, non? Hein?
On fait comme à l'école là, c'est pas ça? Hein? À l'école, quand on finit la leçon, on fait exercice. Ça va? Voilà. Donc l'exercice là, c'est ça. Luc 2, de 1 à 15. Donc dans Luc 2, on nous parle d'un temps. Ça va, non? On nous parle de quel temps? Du temps où Obi César a voulu faire le recensement. Ça va, non? Voilà. Et on nous précise le temps physiquement. On nous précise le temps aussi spirituellement. Parce que tout comme le soleil et la lune nous aident à connaître le temps physique, il y a le temps spirituel. Et ce que le Seigneur veut que nous connaissions, ce n'est pas le temps physique uniquement, mais il veut que nous connaissions le temps spirituellement. Ça va? Donc quand le soleil se lève, on se lève. Ça, c'est le temps physique. Ça va, non? Voilà. Donc physiquement, quand il y a le soleil, c'est qu'il fait jour. Oui. Spirituellement, quand il y a tel signe, dans quel temps tu es? Ça va, non? Parce que le Seigneur ne nous appelle pas à dire, bon, de 8h ou bien de 7h à 18h, il fait jour. De 18h à 6h du matin, il fait nuit. Non, non, non. Ça, c'est pour tout le monde. Ça va, non? Maintenant, le Seigneur veut que toi, tu connaisses le temps spirituel. Donc, le temps physique ici, là, c'est un temps où César Auguste a obligé toutes les nations qui sont sous sa domination. Donc, Rome dominait pratiquement sur tout le monde entier. D'accord? Donc, imaginez à cette période-là, dans le monde entier, tous ceux, même en Afrique, ceux qui dépendaient de Rome, ils ont entendu ce qu'il dit là, ils se sont déplacés pour aller chacun dans son village. Ça, c'était le temps physique. Mais quel était le temps spirituel? Le temps spirituel, c'est que le sauveur que Israël attendait, que les nations attendaient, je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a le temps physique, il y a le temps spirituel. Ça va? Physiquement, oui, tout le monde devait aller se faire connaître par rapport à sa naissance. D'accord? Spirituellement, le sauveur aussi là a utilisé ce temps-là pour venir sur terre. Donc Israël à qui on a annoncé depuis des siècles. Est-ce que vous savez que entre le temps de la dernière prophétie, le dernier prophète qui a prophétisé, et le temps où le Seigneur a apparu, vous savez combien de temps il y a eu? 400 ans. Quand vous prenez les dernières prophéties, les Malachies à la fin là-bas, hein? Entre Malachie, si vous voulez. Et puis, Matthieu 1. Ça va, non? Donc, quand vous prenez votre Bible, là, de Malachie à Matthieu 1, vous tournez une page comme ça. C'est pas ça? La page là que vous tournez, là, c'est 400 ans. Est-ce qu'on se comprend? Pendant 400 ans, donc, il n'y a pas prophétie. Il n'y a pas signe. Il n'y a rien, c'est sec. Ça va, non? Donc ils étaient là à soupirer, à attendre le sauveur qui va arriver ici. 400 ans. C'est vrai, le Seigneur parlait individuellement à des personnes. Parce qu'on a vu, il y a Shimon, il se trouvait dans le temple, il a dit, ah Seigneur, tu m'as dit que je ne partirai pas sans avoir vu le sauveur. Donc individuellement, le Seigneur parlait à certains. Il y avait Anne, c'est ça, non? Qui attendait aussi le sauveur. Vous voyez un peu, donc individuellement, le Seigneur parlait aux uns aux autres. Mais parler à toute l'assemblée comme ça, parler à tout Israël, grande prophétie, tout ça, pour toutes les nations, comme prophétisaient les Yeshaya, les machins, tout ça, là-dedans, c'était bon. Ça va, non? Donc
C'est à chacun maintenant être le Seigneur. Ça va, non? Amen. 400 années. Hein? Et donc, voyez un peu, il y avait un temps de silence. Et puis maintenant venait le temps du salut. Le temps de la bonne nouvelle, c'est pas ça? Hein? Parce que l'ange a dit, on est venu vous annoncer une bonne nouvelle. Nouvelle là, dans nouvelle là, il y a quoi? Dans le mot nouvelle là, il y a quoi? Il y a nouveau, changement. Quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui fait entrer dans un autre temps. Donc la bonne nouvelle, quand tu l'annonces à quelqu'un qui reçoit là, il change de temps, sa vie change de temps. Ça dit, du temps où il était dans la malédiction, sous la domination de Satan, il passe à un nouveau temps. Le temps du salut, frère, la parole du Seigneur annonce dans la vie des uns et des autres, là, quand on la reçoit, des temps nouveaux. Parce qu'elle change, elle transforme, elle renouvelle. C'est par la parole que malade que tu étais, tu peux te retrouver guéri. C'est par la parole que possédé que tu étais, tu te retrouves libre en Yéhoshua. C'est par la parole que ignorant que tu étais il y a 5 minutes, par la révélation de la parole, tu passes à autre chose. Parole là, voici pourquoi on dit que c'est une bonne nouvelle. Ça va, non? Hein? En grec, euagélistes. Non, euagélios. Ça donnait le mot évangile. Ça va? Et puis, euagélistes, ça donnait le mot évangéliste. La bonne nouvelle. Ça va, non? Donc, l'ange lui a dit, bon, ben, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Donc, il est venu leur annoncer un changement de temps. Ils étaient dans un temps de tristesse, dans un temps d'attente, dans un temps d'espérance, dans un temps où ils souhaitaient le salut, où ils soupiraient. L'ange vient leur dire, aujourd'hui là, je suis venu vous annoncer, d'accord, la bonne nouvelle, le Sauveur est né. Ça va, non? Hein? Donc on voit, temps physique, temps spirituel. Ça va? Donc dans le physique, certainement, c'était un temps de fatigue. Vous imaginez, toi, tu es à Korogo, il n'y avait pas de voiture à l'époque, il n'y a pas qu'à climatiser tout ça. Ça va, non? Hein? Tu es à Korogo, ta famille, c'est Abidjan. Ça va? Donc tu dois quitter Korogo à pied. C'est ça, hein? Tu descends jusqu'à Abidjan, juste pour te faire enregistrer. On ne peut pas me faire ça à distance, on ne peut pas me laisser même tranquille. Il veut nous compter là, c'est pourquoi? Oui, il veut nous compter là même là, c'est pourquoi? Voyez un peu, mais tout ça là, c'est pour que le fils de David naisse dans la ville de David. Amen. Voilà. Et pour que dans la ville de David, on vienne trouver des bergers pour leur dire, regardez, la bonne nouvelle. On vient vous l'annoncer, le Sauveur est né. Amen. Voilà. Et à qui est-ce que la bonne nouvelle, là, le changement de temps, là, à qui est-ce qu'il a annoncé? Premièrement. Hein? À qui? Je lève ça, c'est depuis 9 mois, il sait ça. Il y a longtemps, quand sa femme enceinte, là, il voulait la laisser. Et puis le Seigneur allait lui dire, non, il faut rester calme. Tout ce qu'on s'est dit depuis, c'est pas qu'il est en train de le dire. Il s'est calmé. C'est ça, non? Mais à qui est-ce que là, dans ce passage-là, le Seigneur vient annoncer la bonne nouvelle? Au berger. Au berger. Un berger, c'est quoi? Un conducteur de troupeau. Qui est le berger par excellence? C'est des faux. Hein? Yahweh est mon berger. Hein? Chez 23, psaume 23. Je ne manquerai de rien. Ça va, non? Donc, le véritable berger vient parler au berger pour leur dire, voilà, la bonne nouvelle, celle que vous attendez de Pierre là. Qu'est-ce que les bergers ont fait?
verset 17. Prenez le verset 17, je pense. Hein? Verset 17. Lucas 2, verset 17. On dit quoi? Les bergers ont fait quoi? Quand ils ont entendu la chose, ils l'ont prié. Donc toi, mon frère, quand le Seigneur t'annonce un nouveau temps, tu dois prier. Donc tu ne dois pas fermer ta bouche aussi sur ce que tu reçois comme instruction du Seigneur. Tu ne dois pas te taire. Tu ne dois pas fermer ta bouche et ne pas annoncer aux gens que nous sommes dans les temps de la fin, dans les temps qui précèdent le jugement et qu'il faut que les uns et les autres se préparent. Parce que le Seigneur a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs et de prêtres, c'est pas ça? Voilà, donc chacun de nous pour sa part est un berger. C'est vrai que le berger par excellence est le Seigneur. Ok? Mais les bergers ici, c'est ceux qui sont allés annoncer. Donc nous avons cette charge là aussi d'aller dire aux uns et aux autres qui ne discernent pas le temps. Parce que ceux à qui ils ont annoncé là, est-ce qu'ils savaient que le salut était à lui? Non. Toi tu as entendu. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller vers les autres. Toi qui as reçu, tu dois aller vers les autres pour annoncer. C'est ce que Noah a fait. On a vu hein, dans 2 Pierre 2,5 que Noah a prêché. Il a averti, il a annoncé. Ça va, non? Donc, toi qui discernes le temps, qui reçois le discernement par rapport au temps, tu dois le partager. Même pendant qu'on est ensemble dans la prière. Ah, vraiment, j'ai à cœur que, ou bien je reçois que. Ça va, non? Voilà. Pendant que les uns et les autres sont en train de jouer, tout ça, et puis tu reçois que, ah, ben, il y a comme souci, il faut prier par rapport à ça, tu ne te fais pas. Tu es fort. Ça va, non? Mais si tu te trompes, les frères vont te dire. Et puis tu apprendras à l'avenir que quand tu reçois ça comme ça, c'est que c'est ma chair. Tu apprendras aussi que quand tu reçois ça comme ça aussi, c'est que c'est le Seigneur. D'accord? Il faut que tu te trompes un peu aussi. Amen. C'est pas ça? Qu'on n'a pas à marcher là. Hein? Ah! Ça va, non? Qu'on n'a pas à marcher longtemps. Hein? Ouais, mon dernier là, ici là, c'est ouvert comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui tombe plus sur lui. Au moins, marcher tout. Hein? Voilà. Mais est-ce que parce qu'on tombe, on se dit, bon, moi je marche plus. Parmi nous tous qui sommes ici là. Il y a un qui est un bébé qui n'est pas tombé. Voilà, on est tous tombés. Quand on finit de tomber, on crie bien. Quand papa ou bien maman fait, hey, dès qu'on dépose, tu recommences. Ouais, c'est pas là? Voilà. Ça va, non? Donc, c'est pas parce que tu t'es trompé une fois. Ah bon, ah vraiment, ça la lève la main, toi, on dit que je mens beaucoup, tout ça. Hein? Non, vas-y. Mais tu sais que comme la première fois, on t'a repris. Tu vas faire attention les prochaines fois avant aussi. Voilà. Amen. Voilà. Donc les bergers sont allés annoncer parce qu'ils ont reçu information que les nations passaient dans un nouveau temps. C'est pas ça? Le temps du salut. Le temps de la grâce. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés aussi, eux aussi, publier la bonne nouvelle. Voyez un peu? Voilà. Amen. Donc, toi qui reçois l'information du temps, tu dois aussi partager. Ça va? Amen. Tu ne dois pas te taire. Ça va, non? Donc, on a compris quoi? Il y a le temps physique, il y a le temps spirituel. Et le Seigneur parle à ses fils, à ses enfants. Parce que qui est venu prévenir du temps? Qui est venu prévenir du temps? Les anges, envoyés par qui? Voilà. Donc le discernement du temps là, c'est pas une grâce que toi-même tu fabriques. Ça va, non? Qui te donne le discernement du temps? Le Seigneur lui-même. Donc si tu veux discerner le temps, tu veux comprendre le temps dans lequel tu es, tu dois t'adresser à qui? Au Seigneur.
Parce que l'humain, naturellement, là, hein, il ne discerne pas le temps. Les gens de Noah, l'humain naturel ne discerne pas le temps. Ça va, non? Quelle est la preuve que l'humain naturel ne discerne pas le temps? Hein? Oui? Merci mon frère. Il n'y a pas le Seigneur, donc tu ne peux pas discerner le temps. Parce que qui a le maître des temps? C'est Yehoshua. Qui a fait le temps? Parce que regardez, frère, qu'est-ce qu'il a utilisé pour le temps? Pour qu'on discerne le temps? C'était quoi? Le soleil? La lune? Ça va? La Bible dit quoi en Bereshit? Au commencement, Elohim créa. Ça veut dire quoi? Qui était là déjà, non? Qui a fait le soleil et puis la lune? C'est ça? Donc, qui a fait apparaître le temps? On se suit? Elohim est en dehors du temps. Voici pourquoi il est éternel. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. C'est lui maintenant qui a établi le temps qu'on mesure. Parce que quand on prenait chez les Grecs, il y a trois différents termes, peut-être même plus que ça, pour définir le temps. Aion, le temps éternel, là, l'éternité, qu'on ne peut pas mesurer. Chronos, le temps qu'on peut mesurer. 1 heure, 2 heures, il est 15h10. Ça, c'est Chronos. Voilà pourquoi nos mondes, on appelle ça Koto. Ça va, non? Ah. Ça va? Et puis le troisième terme, c'est le Kairos. Le temps opportun. Ça va, non? Donc, le temps où tu as la révélation, puis tu fais. Parce que si tu sors de là, ce n'est plus au porteur, ce n'est plus le bon moment. Ça va? Donc le kairos aussi est lié à la révélation. Ça va, non? Ça va? Ça va? Voilà. Mais le chronos, là, c'est le temps en compte. On est aujourd'hui le 25 janvier 2001. Ah, désolé. 25 décembre, merci mon frère. Oui, là, c'est compliqué. Hein? C'est bon, hein, il faut être dans le temps. Hein? Ouais, ouais, ouais. Donc, 25 décembre, pas janvier, décembre 2022. Amen. Vous voyez? Ça va, non? On fonctionne dans le temps. Donc, demain, c'est le 26, c'est ça? Ouais. C'est lundi. C'est férié. D'accord. Supposons que moi je ne discerne pas le temps, le dernier de lundi. Donc lundi à 4h, comme d'habitude, je me lève, je prie, je finis, je me lave, tout ça. 5h, tac, je quitte la maison pour ne pas tomber dans les embouteillages. Et puis j'arrive au bus, il n'y a pas de bus. Habituellement, à 5h15, 20, il y a le bus déjà. Là, il n'y a pas de bus. Bon, et puis après le bus vient. Et puis je monte, il n'y a pas beaucoup de personnes. Alors qu'habituellement, à 7h-ci, tous ceux comme moi qui veulent éviter un embouteillage là, on est là, on est beaucoup. C'est ça, non? Et puis quand on monte, il n'y a pas d'embouteillage. Pourtant, habituellement, il y a un embouteillage. Avec tout ça là, tu ne discernes toujours pas. Hein? C'est pas d'assis. Voilà, frère. Un moment sur la route, tu dois te dire, aïe. Mon frère, c'est, aujourd'hui là, c'est comment, c'est férié? Tu dois te dire, oui, c'est férié. Ou c'est toi, tu fais ça quand tu te dis, je ne savais pas, hein. Donc, généralement, toi, tu ne connais pas le temps. Celui qui a apporté le temps, là, il est là, comment? Un gros férié, on vous attaque. Quand tu t'es levé à 4h du matin, alors que tu devais dormir. Vous voyez un peu, non? On a besoin de discerner le temps, physiquement, spirituellement. Vous voyez? Donc, il y a le chronos qui peut représenter le temps physique, là, qu'on peut compter. D'accord? C'est le temps dans lequel on est. Hein? Voilà. Tant qu'on pourra dire lundi 5, tant, lundi 8, tant, on est dans le chronos. D'accord? Il y a le kairos aussi par rapport à saisir vraiment le temps dans lequel on est. C'est spirituel beaucoup plus. D'accord? Ben, c'est le temps, c'est le bon moment en fait. Le moment indiqué. Ça va, non? Hein? Quelqu'un, on a dit qu'il plante son vignoble en décembre, il n'a pas planté ça dans le kairos. Ça ne va pas porter de fruits.
Ça va, non? Hein? Et puis, il y a le ion qui signifie temps aussi. Tout ça, là, quand on prenait en français, c'est temps, temps, temps. Mais en grec, ça signifie autre chose. Ça va, non? Voilà. Et il y a le ion, ça, c'est le temps, c'est voilà. On ne peut pas mesurer. Donc, il y avait le ion avant que le Seigneur fasse les cieux et la terre. Parce qu'au commencement, Elohim créa, le mot commencement là, c'est pas par rapport à Elohim, hein. C'est par rapport à nous. Où notre histoire est guidée là, c'est ça au commencement. Il était là avant ça. Ça va, non? Il a fait les cieux et la terre. Et la Bible dit qu'à un moment, les cieux et la terre vont passer. Il va rouler ça. Ça dit, ça va disparaître. Ça va, non? Hein? Et puis, quand on prend dans l'Apocalypse, qu'on nous décrit la nouvelle Jérusalem, on dit qu'il n'y aura plus de soleil pour éclairer. Parce que Elohim lui-même sera la lumière. Donc il n'y aura plus de soleil. Donc il n'y aura plus de temps qu'on peut compter. Ça va, non? Donc notre Seigneur, c'est l'éternité. Donc ceux qui seront avec lui où il n'y a plus de soleil, là, on ne peut plus compter les jours, c'est fini, parce qu'on a besoin du soleil pour compter un jour. Le soleil vient, la lune vient, et puis on dit un jour. S'il n'y a plus le soleil et puis la lune, il n'y a plus de jour, frère. L'éternité. Ça va, non? Donc le Seigneur nous attend dans l'éternité là-bas. Amen. Voilà. Donc le temps chronos, là, qu'on compte là, à un moment là, ça va s'arrêter. Ça va, on se suit? Bien. On va finir. Hein? Donc, les bergers sont allés annoncer. Pourquoi ils sont allés publier? Ok? Hein? Qu'est-ce qu'on dit du temps physique dans lequel les bergers étaient? Hein? Au verset 8. Parler du manque de discernement spirituel et même physique, même souvent. On dit qu'ils étaient verset 8, qu'est-ce qu'il y avait? Ils gardaient leur troupeau. Pendant la veille de la nuit. Ça veut dire que la nuit, ils dormaient avec leur troupeau. Où ça? Dans les. D'accord. Là, c'est quand? Le 24 décembre, non? Hein? Bien. Qu'est-ce que toi tu as fait le 24, 20, 25 décembre, là? En pleine journée. Tu as fait quoi? Pommadé. Tu t'es pommadé pour ne pas avoir froid. C'est ça, non? Et la nuit? Tu fais bien froid, non? Hein? En plus, toi, on est en Afrique, hein? Ça va, non? Mais la nuit, il fait froid, on reste pas dehors. La plupart des hommes dormis dehors. Avec ses moutons. Amen. Ça va, non? Amen. Hein? Amen. Donc, est-ce que cette période qu'on est en train de décrire ici, là, est-ce que ça peut être 24 décembre? Non, jamais. Si on n'est pas d'accord, on dit, est-ce que ça peut être 24 décembre? Jamais. Pourquoi on fête ou bien on célébrerait la naissance du Seigneur 24 décembre? Pourquoi? Si quand on lit même naturellement là, on se rend compte que ce n'est pas possible que ce soit un 24 décembre. Parce que là nous on est en Afrique, il n'y a pas l'hiver. D'accord? Mais il faut savoir que là-bas, bon, déjà dans les pays, en tout cas dans le monde entier, en décembre là il fait froid. C'est ça, non? Voilà. Donc en Afrique, c'est vrai, il n'y a pas de neige. On est en Extrême-Orient, en Israël là-bas. Le mois de décembre là, c'est un mois où il fait froid, c'est le mois le plus fameux, le mois le plus froid. C'est un mois où il y a soit de la neige, soit beaucoup de pluie. Ça va, non? Voilà. Donc si vous prenez sur le neige, vous verrez, 24 décembre, en décembre là-bas, il pleut. Ou bien il neige. D'accord? Donc est-ce que par temps de neige ou bien par temps de pluie, on va dehors avec les boutons? Non. Est-ce que. Par temps de neige ou par temps de pluie, je ne sais pas.
Il y a ces périodes là où bon, ben, il y a l'air, tout ça, non. Cette période que l'on décrit là, ici, c'est une période qu'on appelle la transhumance. Les bergers connaissent. Il y a des périodes où on sait où il y a de l'air. Donc on se déplace avec les brebis là, physiquement. On vit avec les brebis, on va là où il y a l'air là. Elles mangent, elles restent là pendant la période où il y a cette air là. Et puis quand on change de saison, on se déplace pour aller à un autre endroit où il y a de l'air. Ça va? C'est ça la transhumance. Ça va? On suit? Hein? On suit? Voilà, c'est la transhumance. Et la période de transhumance là, c'est pas en décembre. Décembre, il n'y a même pas d'air. Et l'hiver va commencer, tout ça. Voyez un peu? S'il n'y a pas d'air, comment les gens sortent pour aller manger les herbes? On nous dit qu'ils étaient en pleine ville, tout ça, ils étaient juste là. Donc il y avait de l'air, il y avait tout ce qu'il fallait et tout, vous comprenez? Ça va? Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le mois de décembre et tout et tout. Pourtant, on célèbre ça en décembre. Le 24 décembre. D'accord? Quand on prend même la Bible du début à la fin, est-ce que le Seigneur dit quelque part qu'il est né le 24 décembre? Est-ce qu'il parle même d'un jour de sa naissance? Pourquoi il n'en parle pas, la vérité? Je ne sais pas pourquoi on s'embête avec quelqu'un qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Pourquoi vous voulez qu'il vous donne une date de naissance? Lui, il n'a pas de date. Est-ce qu'on suit? Il n'a pas de date. Date là, c'est arrivé après lui. C'est lui-même qui a fabriqué date. Je ne sais pas si on se suit. Il était là avant le temps. Et puis il sera là après le temps. Lui-même, à un moment, il va arrêter le temps. Et puis on va passer dans l'éternité. Comment vous pouvez penser qu'il est un jour de naissance? La Bible dit à plusieurs occasions qu'il était déjà là. C'est pas ça? Hein? Et il se manifestait. Oui ou non? Hein? La Bible dit, je crois, dans le livre de... bon, ça va revenir. Que Israël, hein, vos pères ont tous été sous la nuée, tout ça, c'est dans les deux. Hein? Vos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous été baptisés dans la mer. Tout ça, ils ont tous bu, c'est 1 Corinthiens 10, merci mon frère, c'est toi qui en parle. Ils ont tous bu, hein, à l'eau d'un rocher, c'est pas ça? Hein? Et ce rocher là, si tu l'as pour le livre, et ce rocher là, c'était qui? C'était Yehoshua Machia. C'est ça. C'est ça, 1 Corinthiens 10, tu peux lire? Avant de verser 1. Hein? Il dit, oh, je ne veux pas que vous ignorez, frère. Ouais. Que nos pères ont été sous la nuée. Ils sont 1 Corinthiens 10. Il n'y a pas de verset 1. À partir du verset 1. Ils sont tous passés au travers de la mer. Étaient baptisés en Moshe, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, oui. Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient au rocher spirituel. Car ils buvaient au rocher spirituel. Ils les suivaient. Oh le rocher. Hein? C'était le marché. Oh le rocher, c'était le Machia. Donc Jésus était dans le désert avec Israël. Il leur donnait de l'eau. Ça va, non? Comment est-ce qu'on a pu réfléchir, calculer et puis dire, bon, il est né le 24 décembre. Il n'a pas de jour de naissance. Oui, il a un jour où il est venu sur terre, mais il l'a fait exprès pour qu'on ne connaisse pas la date exacte. Oui ou non? Parce qu'il donne la date exacte. Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès par le Seigneur. La date de Pâques, là, fais ça. Il donne, non? Hein? Tel nombre de jours, après tel machin, entre les deux soirs, tout ça. Il donne la date de Pâques. Oui ou non? Amen.
Là encore, on va revenir, il faut que tu sais quoi. D'accord. Hein? La date de Pentecôte, il donne donc 40 jours après le premier jet, tout ça, comme ça, vous faites ça. C'est pas ça? Tel mois, à telle date, vous faites comme ça. C'est pas ça? Il a donné la date précise, non? Il pourrait donner la date précise. Oui ou non? Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il n'a pas de date de naissance à la vérité. Mais regardez le nombre de personnes qui chaque 24 décembre courent dans les assemblées pour aller prier, peut-être même d'autres reçoivent des révélations là-bas, tout ça, disant que le Seigneur est né le 24. Ça va, non? Manque de discernement du temps. Parce qu'une chose qu'on ne sait pas aussi, c'est que le temps dans lequel on est là, ça va, non? Hein? Il est ici de quoi? Hein? Ça va? On a encore la force? Oui. Amen. Il y a la force. On va finir tout à l'heure. Vous voyez? C'est en observant les nuits, le soleil, la lune, tout ça, qu'on a pu définir le calendrier. D'accord? Voilà. Donc, en principe, chaque peuple a son calendrier. Est-ce que vous savez ça? Moi, quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, j'ai appelé un soir ma maman. Oui, alors ça va? Papa à côté? Oui, ok. Comme vous deux, vous comprenez bien là, la langue. Est-ce qu'il y a des mois à guérir? Ils m'ont dit oui. Je dis, ah, c'est pas janvier. Non. Chaque mois a son mot à guérir. Et en fonction de quoi? En fonction des signes. Donc, il y a un mois, par exemple, le mois que j'ai bien retenu, c'est Nechuchu, c'est moi en guérir. Donc, Nechuchu, c'est le feu, le soleil. D'accord? Donc, Nechuchu, elle dit, c'est dans la période de mars, là, où il fait bien chaud, là. Voilà. Et si vous allez à la maison, vous demandez à vos parents, vous fouillez même dans non là, là. On a le mois dedans. Et c'est des mois en fonction des signes. Elle m'a donné un autre mois, j'ai oublié le nom. Où vous voyez, quand il pleut, il y a les petites termites sur les ailes là, on mange là, on fait du diable, on mange. C'est ce mois-là où ça sort. Donc ils ont donné le nom de ces bêtes-là au mois. Parce que c'est à ce mois-là que ces bêtes-là sortent. Donc en fait, c'est en observant les signes que l'humain a pu définir ce qu'on appelle le calendrier. Ah, dans telle période, de telle période à telle période, c'est l'intu. De tel autre à tel autre, il y a les petites bêtes là qui sortent, c'est tel mois. De tel autre à tel autre, c'est comme ça. Et il y a tous les mois de l'année. Si vous prenez le temps là, fouillez un peu avec les parents, tout ça, vous allez voir qu'il y a les mois. En bamboulé même, il y a les jours. Oui. Oui. Voilà, c'est les jours. Combien? Si vous priez dans vos ethnies personnellement, là vous verrez, il y a les jours, il y a les mois. Pourquoi on n'utilise jamais le février? Pourquoi? Parce qu'on est sous la domination du 4e empire. Ce sont leurs mois. Ce sont leurs divinités. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le Seigneur? La vérité. Hein? Prenons, on va finir dessus. Exode 15. Shemot 15. Je vais vous donner un exemple. Hein? Non, on va prendre 12. Shemot 12. Shemot 12. À partir du verset 1. Qu'est-ce qu'on lit? Or, Yahweh parla à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte. Ça va? En disant, qu'est-ce qu'il a dit? Ce mois-ci sera pour vous le... Bon, de quoi il parlait ici? Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il parlait de quoi? Hein? Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, le dixième jour de ce mois, qu'ils prennent un agneau par maison,
Si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin. Ce serait un agneau, verset 5, ou un chevreau, sans défaut, tout ça. Vous le prendrez dans les brebis, dans les chèvres. De quoi il parlait? Entre le 14e jour, il parlait de quoi? De la Pâque. C'est pas ça? Et que dit le Seigneur par rapport à la Pâque? Que la Pâque se passe dans quel mois? Dans le premier mois, concernant les Juifs, les Hébreux, ça se passe dans le premier mois. Donc pour le Seigneur, pour Adonai, le premier mois pour quelqu'un là, c'est quoi? C'est le mois de la Pâque. Le premier mois pour sa nation, c'est le mois de la Pâque. Nous sommes sa nation ou pas? Amen. Ça va, non? Donc quand il parle à son peuple, ça va? Tu comprends ma sœur? Voilà, c'est même pour dire que c'est pas la même chose. Tu vois, ici le pacte c'est avec quoi? Non, mais c'est ça le pacte qui est ici là, c'est avec quoi? C'est sans S, fais ça. Hein? Le pacte avec S là, c'est la pacte avec les œufs de Pâques. Voilà, quand vous lisez ici là, elles sont pas de œufs de Pâques. Donc, vous voyez, c'est pas le même temps. Parce que avec le temps là, on adore. C'est pas ça? Regardez, quand il allait dire, les anges sont allés dire aux bergers, voilà le sauveur est né. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés l'adorer. Et puis quand ils ont fini, ils sont allés publier. Donc on adore en fonction du temps dans lequel on est. Ça va non? Hein? Voilà, la première fois dans la Bible qu'on utilise le mot adorer, c'est où? C'est dans Bereshit. Hein? C'est quand le Seigneur dit à Abraham, va sur la montagne que je t'indiquerai, tu vas aller sacrifier ton enfant. Donc quand Abraham part, il dit à ses serviteurs, vous restez là, moi et l'enfant, on va aller adorer. Donc adorer, c'est pas chanter. Adorer, c'est faire la volonté du Seigneur. Ça va, non? Voilà. Donc en fonction du temps, quand tu te comportes en fonction du temps, tu adores. Donc on adore en fonction du temps. Ça va non? Ça va? Est-ce que vous savez que le mot temps, ça vient du mot qui veut dire temps en latin? Voilà. Temps, templum. Donc templum, ça signifiait temps, ça signifiait aussi un espace bien délimité. D'accord? Voilà. Donc le temple là, c'était un espace aussi bien délimité. Le mot temple, en fait, est lié aussi au temps. Donc, c'est en fonction du temps qu'on a dehors. Ça va, non? Un autre exemple par rapport à ça. Hein? Nous sommes dans le temps de la... Nous sommes dans le temps de la... De la grâce. Ok? Il y avait le temps de la... Loi. Ça va, non? Est-ce qu'au temps de la loi, tu pouvais venir et dire, ben, au nom de Yehoshua, sois guéri? Il n'y avait pas ce temps de la loi, il avait dit, mais toi, tu ne sauras pas. D'ailleurs, même on va me lapider parce qu'il blasphème. Ça va, non? Et puis on arrête de lapider parce qu'il blasphème. Je ne sais pas si on se comprend. C'est vrai, tu parles du Seigneur, mais tu parles de lui au temps où il n'y a pas, c'est pas le temps. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Voilà. Au temps de la loi, voilà, il y avait Yehoshua, il apparaissait, mais il était caché. Donc tu viens nous parler de Yehoshua là, donc c'est quoi cette histoire? Ça va, non? Sous la grâce, est-ce que tu peux venir encore parler? Bon, ben écoute, dans le tabernacle, il faut aller dans le lieu saint, le très saint, le machin, tout ça. Est-ce qu'on peut encore faire ça? Pourtant aujourd'hui, il y en a encore plus. Ça va, non? Parce qu'ils n'ont pas discerné le temps. Donc ils adorent en dehors du temps. Il y en a qui sont encore sous la loi, pratiquant encore la dîme, et puis encore une fausse dîme. On se comprend, non? Parce qu'ils sont toujours dans leur esprit sous la loi. Donc on adore avec le temps, frères et sœurs. Quand tu leur dis non, non, la dîme s'est dépassée, waouh! Vous comprenez un peu, non? Alors qu'on n'est plus sous ce temps-là. Oui, il y a eu le temps de la dîme. Et puis aujourd'hui, on a tout le temps de la grâce, tout ça. Donnez librement, voilà selon ce que vous avez résolu. Amen.
Hein? Donc, on adore avec le temps. Hein? Quand Jacob allait chercher son épouse, on lui a dit, bon, ici là, on marie là, reviens avant de marier là, deuxième. Il y a le temps de la loi, on marie la première, et puis le temps de la grâce, de l'amour, où ensuite il a épousé celle qu'il aimait. Il a fait deux fois 7 ans. 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça va donc le repos. Ensuite, donc il y a eu le temps de la loi, il y a le temps de la grâce. Si tu adores sous la grâce, comme si on adorait sous la loi, tu es en dehors du temps. La Bible dit que Yehoshua ne te sert de rien. Tu prends Galates 3, tu peux. Yehoshua ne te sert de rien. Paul dit dans Galates 3 que si tu te remets sous la loi au temps de la grâce, tu es privé, tu es séparé de Yehoshua. Elles sont suivies. On adore avec le temps, frères et sœurs. Et ça, là, c'est le gros problème. Quand tu vas vous partager l'évangile, les gens qui refusent d'adorer avec le temps, de saisir ça, là, ben, on commence à t'insulter, à te critiquer, à te rejeter. Quand tu dis aujourd'hui à quelqu'un, ben, Yehoshua n'est pas né le 24 décembre, c'est un problème, collé. Tu dis ça à des chrétiens même, des gens qui se disent chrétiens, c'est pas là que tu as soulevé. Hier, j'allais à Jamais, je suis arrivé à la station pour prendre du carburant. La dame me dit, joyeux Noël. Je dis, madame, je ne fête pas Noël, je suis chrétien. Elle était devant moi. Je dis, mais madame, venez, je vais vous expliquer. Elle dit, non, je travaille. Je dis, mais tu travailles et puis tu m'as dit, joyeux Noël. Donc, je vais t'expliquer. Elle dit, elle ne vient pas. Je dis, bon, tu as une Bible, ouais. Parce que pour moi, ouais, c'est du blasphème, c'est trop grave. Je ne peux pas dire, je suis chrétien, je ne fête pas Noël. C'est trop grave pour elle. Je lui ai dit, mais madame, il y a une Bible au moins. Elle me dit, monsieur, j'ai dit, je travaille. Ce que tu dis là, je n'ai pas entendu, je travaille. Je dis, bon, ok, essayez de lire votre Bible, puis je suis passé. Pourquoi je lui dis, je suis chrétien, et puis je ne fais pas Noël? C'est une abomination pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne discerne pas le temps. Ça va, non? Même la Pâque là qu'on fait avec les œufs de Pâques, machin, tout ça. Non, tu vas fouiller même très souvent. Pendant que le monde fait Pâques là, Israël ne fait pas Pâques. Pourtant, c'est à qui Pâques a été révélé? Ah! Voyez, non? Souvent, les deux fêtes là ne concordent pas. Souvent, on finit de faire pour nous ici et puis ils font 2-3 jours après, une semaine après, voilà. Ça va pas. Donc, pendant qu'on fait Noël, vous fouillez bien dans la Bible, il n'y a jamais eu ça. Mais on fait quand même. On va même jusqu'à dire, bon, c'est le jour de sa naissance. Bon, il y a un souci. Voyez un peu? Donc, on a besoin de travailler, de marcher avec le Seigneur en fonction du temps. On adore avec le temps, frères et sœurs. Ça va, non? Hein? Voilà. Le Seigneur s'est trouvé devant les Juifs. Il leur a dit, vous devez boire ma chair, manger. Vous devez manger ma chair, boire mon sang. D'accord? Il leur a annoncé le nouveau temps. Ils ont dit, non, cette parole est trop dure. Nous, on n'est pas cannibales. Nous, on mange l'agneau. Il dit, mais c'est moi, on va là-bas. Vous comprenez, non? Nous, on ne peut pas te suivre. Pourquoi nous, on va te manger? Ça va? Elle parle du serpent du temps. Vous comprenez? Et ne pas discerner le temps, c'est un des gros problèmes, en fait, que les Juifs ont eu. Ils ont refusé. Quand on prenait Matthieu 5, le Seigneur dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc il vous a été dit, est-ce qu'il a dit que c'est faux? Non, c'est vrai. Ce qu'on vous a dit là, oui, parce que c'est le temps de ce qu'on vous avait dit. Mais je vous dis, c'est un nouveau temps.
Les Juifs ont refusé. Frère, tu refuses d'entrer dans le temps du Seigneur, tu perds. Ça va, non? Et puis que nous puissions saisir le temps. Saisir avec le Seigneur dans notre vie chaque jour là, le temps dans lequel il veut qu'on soit. Que nous puissions saisir aussi le temps par rapport à son fonctionnement. Ce n'est pas le temps d'aller en mission, tu te lèves, oui, moi, ok, je vais prêcher là-bas. Parce que le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations, ok. Mais là, le 2 janvier, là, il ne t'a pas envoyé. Il veut que tu sois à la maison avec ta femme. Lève-toi avant le 2 janvier et puis tu vas voir. Est-ce qu'on se comprend? Voici pourquoi, pour toute chose, David faisait quoi? Il disait au Seigneur, il règne. Vous vous souvenez de cette prière-là? Amen. David n'arrête pas. Il règne. Seigneur, est-ce que je dois? Est-ce que tu m'autorises? Est-ce que tu me permets? Parce que je ne m'appartiens pas. Donc je demande à celui qui est mon maître. Ça va, non? Très souvent, j'ai voulu voyager, machin, tout ça, là. Le Seigneur m'a très souvent bloqué. Mais ce n'est pas le temps. Il ne voulait pas que je bouge. Amen. Donc, il faut que nous apprenions à discerner. Ça va? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Amen. Amen. Allons-y.